Nous voici donc au G pour la quatrième manche de la Coupe du Monde, donc à la maison en France. On vient de monter le stand, là tout est prêt et puis le public est déjà nombreux à venir voir nos coureurs. Donc c'est de bon augure, on espère passer une bonne semaine. A commencé par les espoirs qui avaient forcément à cœur de bien faire en France. C'était un peu compliqué pour Thomas après une belle 8e place la semaine dernière. Il était beaucoup plus en difficulté aujourd'hui. Un bon départ, mais pas les jambes qu'il espérait aujourd'hui. Donc il n'est pas au rang qu'il espérait. Axel revenait à la compétition après un petit break, un petit virus. Donc ça l'a remis dans le rythme, mais termine assez loin. La bonne satisfaction vient de Matisse. À notre tout jeune Matisse qui est première année élite espoir et qui remonte bien jusqu'à la 20e position, environ 24 il me semble. Donc un très bon résultat et Matisse continue son apprentissage.
monde terminé au G devant le public français, la famille, les amis, c'était vraiment extra, un public de feu, je me suis régalé, même parfois dans certaines parties, il y avait tellement de monde que je sentais plus mes pédales, donc ouais, c'était vraiment, vraiment extra. Un circuit déjà assez rapide, avec des parties très roulantes et des bosses très roulantes, des descentes peu techniques et rapides, donc l'enchaînement des bosses revenait assez souvent. Vendredi au short track, j'ai terminé 12e, ce qui m'a permis de partir deuxième ligne aujourd'hui. Ouais, le short track, des sensations un peu moyennes, mais bon, ça m'a bien débloqué pour aujourd'hui. Donc je termine 8e aujourd'hui, donc je suis content de terminer dans le top 10. Je reste assez constant là, depuis le début de la saison, donc c'est génial. Même si j'aurais aimé faire un podium forcément devant le public français, mais ouais, je suis vraiment content quand même de faire un top 10. Quoi.